Monsieur le ministre Nizar Ben Nedji, ministre tunisien des technologies de la communication. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'assister ce matin à la cérémonie du lancement du projet SPAC de Huawei Tunisie et de la signature du protocole d'accord entre Huawei Tunisie et le ministère tunisien des technologies de la communication. Les startups sont les innovateurs, les précurseurs et les révolutionnaires de notre société d'aujourd'hui. Lorsque Huawei a été fondée il y a plus de 35 ans, elle ne comptait que 6 employés. Maintenant, elle est devenue un géant technologique de classe mondiale, fournissant des services TIC fiables et de haute qualité à des milliards de personnes dans le monde. Il existe de nombreux exemples similaires à Shenzhen en Chine et dans le monde entier. Contrairement aux entreprises de petite taille traditionnelles, les startups ont besoin du soutien d'un écosystème entrepreneurial plus large, y compris les infrastructures numériques avancées, des politiques fiscales favorables, un investissement à long terme et des technologies et des talents de haute qualité, qui dépendent des efforts conjoints du gouvernement, des investisseurs, des entreprises technologiques et des instituts de recherche scientifique. Le ministère tunisien des technologies de la communication attache depuis toujours une grande importance à l'innovation technologique et a lancé une série de mesures concrètes, y compris le projet SPAC aujourd'hui. Il apportera un soutien technologique et commercial aux startups et les aidera à construire un écosystème entrepreneurial plus complet en intégrant les ressources du gouvernement, des entreprises et des instituts de recherche. Mesdames et messieurs, l'économie numérique mène un nouveau cycle de révolution technique, technologique et transformation industrielle et de transformation de l'énergie cinétique et est devenu un nouveau moteur de relance économique mondiale et du développement durable à l'ère post-épidémique. Elle est également devenue un domaine clé de la coopération sino-tunisienne. En novembre 2021, le président chinois Xi Jinping a proposé, lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique, de renforcer la coopération sino-africaine en matière d'économie numérique et de mettre en œuvre, conjointement avec les pays africains, des projets d'innovation numérique. Depuis plus de 20 ans, Huawei et d'autres entreprises technologiques chinoises ont fourni un soutien TIC à la Tunisie, promu le développement de l'infrastructure numérique, créé un grand nombre d'emplois et a organisé des services tels que et a organisé des activités telles que Future Seeds et ITC Network Academy pour construire une bonne écologie numérique. Il n'y a pas si longtemps, Huawei a annoncé qu'il aiderait la Tunisie à former 10 000 autres ingénieurs de TIC au cours des 5 prochaines années. En plus d'une coopération plus étroite et mutuellement avantageuse entre les entreprises, j'attends également que les gouvernements chinois et tunisiens renforcent la communication politique dans ce domaine. Le gouvernement chinois soutiendra toujours la vision Tunisie 2035 et est prêt à construire avec le gouvernement tunisien une route de la soie numérique plus prospère et plus sécurisée. Enfin, permettez-moi de souhaiter un plein succès au projet de SPAC à toutes les entreprises participantes. Merci.